Cidacourtine fait partie du groupe Alzapan. Donc c'est un groupe familial, le siège social situé en Alsace. C'est 6 sites de production, c'est du parquet, du meuble en kit, du plan de travail, à peu près 850 salariés et 150 intérimaires. Donc le site de la Courtine est spécialisé dans les meubles en kit qu'on trouve sur les grandes enseignes du type Conforma, But. Donc nous on livre la France, on livre les pays européens limitrophes et l'Afrique du Nord. Donc en 2018, après quelques années un peu compliquées pour le site de la Courtine, il y avait une décision stratégique à prendre, c'était soit on améliorait le site pour le rendre compétitif, soit tout simplement ça allait sûrement à la fermeture. Voilà. Donc avec les actionnaires principaux, donc la famille qui possède Alzapan, l'Europe, la région Nouvelle-Aquitaine et la communauté de communes de Haute-Corrèze, un projet a été monté pour améliorer le site aussi bien au niveau des machines de production qu'au niveau des bâtiments et de l'énergie. Il y avait différentes phases dans le projet. L'Europe nous a permis d'avancer certains projets qui auraient été financés sûrement quelques années, avec quelques années de retard, notamment sur l'énergie. Avec une amélioration dans l'entreprise de l'éclairage. On est passé à des éclairages LED, moins consommateurs d'énergie. Et une grosse partie aussi sur l'aspiration, où on a séquencé par machine les aspirations. Donc on n'a plus une aspiration globale qui aspire, mais c'est les machines, quand elles se mettent en marche, qui vont faire l'appel de leur aspiration.